Aujourd'hui, on va parler de compléments alimentaires pour les cheveux avec Expert Cheveux Triple Action de Forte Pharma. Coucou les Silver! Je suis là aujourd'hui pour une vidéo de la team des beautés majuscules. La team des beautés majuscules, je ne vous l'explique plus, c'est toute une bande de femmes de plus de 50 ans qui présentent le 15 de chaque mois le même produit. C'est une initiative de Nicole Tonnel et nous sommes à ce jour une bonne vingtaine à participer à ce défi mensuel. Je vous mets les coordonnées de toutes mes copines ici. Allez voir à la fin de la vidéo ce qu'elles ont pensé de ce produit Forte Pharma. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'un complément alimentaire que nous allons parler. Il s'agit de Expert Cheveux Sublimateur Cheveux et Ongles de Forte Pharma. Alors, qu'apporte ce complément alimentaire? Il nous promet force, volume, brillance. C'est à base de levure de bière, de protéines de blé, de 12 vitamines et de minéraux. C'est une boîte qui contient 28 comprimés qui sont ici dans un blister. Moi, je les ai terminés. Il suffit d'en prendre un par jour. Alors, on va regarder un petit peu plus ce qu'il y a à l'intérieur. D'abord, des nutriments pour renforcer la fibre capillaire. Expert Cheveux contient des protéines de blé et du zinc qui contribuent à la production des protéines du cheveu. La vitamine B6 participe à la production de cystéine qui est un acide aminé indispensable pour structurer la fibre du cheveu, la fibre capillaire. Il apporte également du volume à la chevelure avec le fer et la vitamine B3. Et enfin, il va révéler la brillance des cheveux avec la levure de bière et des vitamines du groupe B, notamment la vitamine B8, associée à de la bardane pour un effet de brillance intense. Alors, je ne vais pas vous mentir, on va parler sérieusement de compléments alimentaires pour les cheveux. Les cheveux, je vais vous faire un tout petit cours sur le cheveu. J'ai tout prévu, ne vous inquiétez pas. Voilà, le cheveu, c'est ça. Ça pousse de environ 1 cm par mois. Et quand je dis que je ne vais pas vous mentir, c'est que je le prends depuis un mois, ce complément alimentaire. Et donc tout ce que je vais voir, c'est ici, c'est sur 1 cm de cheveux. Oui, le cheveu pousse par la base. Il ne pousse pas par l'extrémité, non. Quand on vous dit que couper les cheveux les renforce, non, vous coupez quelque chose qui est mort. Pour renforcer un cheveu, c'est à la base. C'est en massant votre cuir chevelu ou en apportant des compléments alimentaires, des nutriments qui vont aider à faire pousser ce cheveu. Donc ne pensez pas qu'avec ce type de produit, en une semaine, vous allez voir un résultat. Il faut, à mon avis, 2, 3 mois, voire même 4 mois. D'ailleurs, Forte Pharma vous conseille de l'utiliser en cure de 3 à 4 mois pour voir un premier effet. Et là, vous verrez un effet sur environ ça de repousse et vous aurez un cheveu qui sera plus beau, plus fort. Si vous voulez améliorer la structure du cheveu externe, eh bien vous n'aurez qu'à utiliser des produits externes, des produits que vous allez appliquer sur le cheveu pour vous donner un joli effet de surface. Ce produit-là vous servira à obtenir un plus joli cheveu, mais à moyen terme. C'est facile, j'ai encore un autre schéma à vous montrer qui est ici, le cycle du cheveu. Le cheveu va pousser pendant environ 3 ans. Ensuite, la deuxième phase, ça c'était ce qu'on appelle la phase anagène. Ensuite, il y a la phase qu'on appelle catagène où le cheveu va commencer à sortir et va finir par tomber. Et enfin, lorsque le cheveu est tombé, eh bien par la base va arriver un nouveau cheveu. Donc en fait, ces produits, ces compléments alimentaires vont agir à la fois sur le cheveu qui pousse environ sur 3 ans. Ça, c'est une moyenne. Certaines personnes vont garder un cheveu pendant 2 ans. D'autres jusqu'à 7 ou 8 ans, ce qui explique que certaines personnes arrivent à avoir des cheveux très longs, mais tout le monde ne peut pas avoir des cheveux très longs, il faut le savoir. Il faut avoir un cheveu qui pousse bien rapidement. Exemple, j'ai des cheveux qui poussent d'environ 2 cm par mois, c'est une chance, ils sont très épais, ils sont beaux. Et lorsque j'avais une quinzaine d'années, eh bien j'avais les cheveux jusqu'aux genoux. C'est une chance parce qu'il faut environ 5 ou 6 ans pour avoir les cheveux qui vont jusqu'aux genoux. Donc ce qui explique que des produits comme celui-là de Forte Pharma vont permettre d'avoir un cheveu qui est plus fort dès la base. C'est ça qui est important.
Les compléments alimentaires vont aider aussi à faire pousser les nouveaux cheveux. Lorsque vous perdez un cheveu, eh bien un autre va repousser à sa place. Et donc là, le complément alimentaire va avoir toute son utilité. Lorsque vous entendez quelqu'un vous dire « Ah oui, au bout d'une semaine, j'ai vu le résultat », eh bien moi, je ne le crois pas. C'est physiologiquement impossible. Le cheveu est mort, c'est à la base qu'on voit le résultat. Donc comme je vous l'ai dit, il faut au moins un mois pour voir un premier résultat. Alors oui, des produits comme celui-là vont avoir un effet à moyen terme. Ensuite, il ne faut pas oublier autre chose. Tout le monde, physiologiquement, y compris les animaux, observez-les, au printemps et à l'automne, vont perdre un peu plus de cheveux. Et oui, nous avons des restes de l'animal, si j'ose dire. Eh bien, les cheveux vont chuter un peu plus à l'automne. Et au printemps, donc quand j'entends des personnes me dire « mais je perds beaucoup de cheveux en ce moment », eh bien regardez la saison, si c'est l'automne ou le printemps, je ne dirais pas que c'est normal, mais oui, on en perd plus que d'habitude. Alors j'espère qu'avec ces explications, vous aurez enfin compris comment fonctionne un cheveu. Oui, si on veut avoir de beaux cheveux à l'extérieur, on met des produits de surface. Et si on veut avoir des beaux cheveux de l'intérieur pour qu'ensuite ils soient beaux à l'extérieur, on va utiliser des compléments alimentaires. Mais on peut aussi avoir une action sur la nourriture. Quand on a une alimentation bien équilibrée, pas trop de stress, ça aussi c'est important. En cas de stress, le cheveu peut tomber plus vite que d'habitude. Donc quand on agit sur tous ces facteurs-là, on aura de beaux cheveux. Bon, et après il y a la génétique. Là, ok, je mets un joker. J'ai une génétique qui me permet d'avoir un très très beau cheveu. Là, pour la génétique, je ne peux pas faire grand-chose. C'est comme ça et il faut l'accepter. Après, on peut tricher avec des extensions de cheveux, avec d'autres artifices, mais il faut savoir que le cheveu ne va pas changer fondamentalement. Un complément alimentaire va vous permettre de le renforcer par la base et c'est là que c'est intéressant de prendre un complément alimentaire. Donner de la force à la base, mais il faut attendre 3 ou 4 mois en prenant encore pendant tout ce temps-là pour voir un bel effet. Alors je vous invite maintenant à aller voir les articles de blog ou les vidéos de mes copines de la team des beautés majuscules. Je vous mets tous les liens ici. Voir ce qu'elles ont pensé de ce produit de Forte Pharma. C'est un produit que je connais depuis très longtemps. J'en ai déjà pris plusieurs fois. Effectivement, au bout de quelques semaines, quelques mois, on voit un vrai effet pour avoir un beau cheveu. Donc allez voir ce qu'en pensent mes copines de la team. Ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, des petits pouces en l'air, vous partagez avec vos amis et vous vous abonnez. Vous n'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos, mais aussi des lives du vendredi soir où nous avons l'occasion d'échanger ensemble sur des sujets très très variés. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Bon, j'espère que cette fois, vous avez tout compris. Hein. Je vous ai tout expliqué. Le cheveu, il pousse par là, pas par là. Donc même si vous le coupez, il ne va pas pousser par là. Là, vous allez enlever les fourches, tout ce qui est abîmé. C'est ce qui va donner un joli aspect à votre cheveu. Par contre, si vous voulez agir sur le cheveu, c'est là, à la base. Et éventuellement avec un complément alimentaire. Et en vous nourrissant correctement. Je suis claire. Allez, ciao.